Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vous parlais Mercato. Juste avant de commencer la vidéo, l'info catégorie s'est tombée il y a 2 jours, donc j'ai préféré la garder parce qu'il n'y avait pas d'autres infos Mercato qui était tombée avec. Donc voilà, je la garde pour cette vidéo. Et cette vidéo est tournée un peu en avance, donc jeudi soir. Je pouvais pas la tourner le lendemain, donc je la tourne aujourd'hui. Enfin, en tout cas le soir. Donc c'est des infos le vendredi matin ou le vendredi après-midi. C'est vraiment un gros gros truc. Je vous préparerai un live comme les autres fois. Donc vraiment soyez à l'affût. Mettez la cloche de notification, c'est très très important. Comme ça, dès que vous la mettez, hop, vous avez la vidéo directement. Vous aurez une petite alerte. C'est toujours cool voilà, pour être directement informé. Pour si vous pouvez pas aller sur Twitter, etc. Donc voilà, boum, vous aurez directement le lien de ma vidéo. Maintenant, avant de commencer la vidéo, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. N'hésitez vraiment pas, les gars, à vous abonner, c'est vraiment très très important. Objectif, les 1000 abonnés. Voilà, pour moi, c'est vraiment un gros objectif. Et sur la chaîne, vous serez au courant de tout. La Mercato, que ce soit au niveau de l'organigramme, s'il se passe quelque chose, ou même autre chose de l'actualité lyonnaise. Voilà, si, je sais pas, moi, il y a un problème avec l'entraîneur, ou je vous ferai une vidéo directe. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Maintenant, pour commencer cette vidéo, voilà, on va parler de Kadewere. Strasbourg est-tu en cas de départ d'Ajorc? Ajorc, c'est vraiment très très proche du Hertha Berlin, je crois, si je ne me trompe pas. C'est un Strasbourgeois qui passe par là. Il peut-être qu'il me confirmera. Et normalement, ça devrait discuter autour de 7-8 millions d'euros. Donc vraiment, pour moi, c'est inespéré parce que ça fait un an qu'il est vraiment dans une tourmente. Il a eu des problèmes. Je crois qu'il a eu le décès de son frère avec le Covid. Il est vraiment une mauvaise période de vie, on va dire. Et ça s'est répercuté un peu sur le foot. Et honnêtement, les 2 derniers matchs qu'il a fait, ils sont un peu catastrophiques. Donc pas au niveau des appels de balles, etc. Mais pour tirer au but, c'est la finition, c'est une catastrophe. Donc peut-être que Julien Stéphan, je crois. C'est pas Julien, c'est Julien. Peut-être qu'il arrivera peut-être à le sortir de cette période un peu sombre pour lui. En tout cas, je l'espère. Mais Lyon, là, ils sont dans une période où pour moi, il faut aller chercher directement la Ligue des Champions. Et les matchs qu'il fait pour le moment sont vraiment pas assez bons. Peut-être un des plus gros flops pour le moment des matchs amicaux. Peut-être même en numéro 1. Donc j'espère que le dossier Ajorc va vite partir au Hertha Berlin, mais dommage pour la Ligue 1. Et que Kadewere aille s'éclater plutôt dans un autre club. Pour Aouar, l'info qui est tombée voilà, justement ce jeudi soir, c'est que le Betis Séville aura un accord avec Lyon autour de 13 millions d'euros. Il y a aussi une autre possibilité, ce serait juste un échange, si j'ai bien compris, avec William Carvalho, donc qui joue en numéro 6 au Betis Séville, ça fait 4 ans qu'il est là-bas. Il avait été recruté, je crois, 16 millions d'euros il y a 4 ans. Franchement, c'est un solide, voilà. Je crois que c'est même un des hommes forts du Portugal. Bon, des fois, il n'est pas tout le temps titulaire, mais quand il est titulaire, il répond souvent présent. Donc ça pourrait être cool, c'est un profil qu'on n'a pas. On a Le Penant, voilà, qui est un profil plus vif, je trouve, voilà, qui est dur sur l'homme sans l'être, on va dire. Que William Carvalho, c'est plus carreur de déménageur, je crois qu'il fait entre 1,85 et 1,95 pour vous donner une petite fourchette. Voilà, c'est quand même un profil assez costaud pour ceux qui l'ont jamais vu, je veux dire, sur une image ou sur un terrain. Voilà, c'est un profil costaud qu'on n'a pas, donc pourquoi pas. Moi, honnêtement, je suis pour que Aouar parte, donc s'il y a peut-être un accord financé qui nous convient pas, en tout cas ce qui convient pas à la direction lyonnaise, autant accepter l'offre d'échange, je pense. À mon avis, on sera pas trop trop déçu du William Carvalho parce que je pense pour un milieu défensif, il a des bonnes petites statistiques. Je crois qu'il a 2 buts, 3 passes D sur cette dernière saison. Donc pourquoi pas, honnêtement, je serais pas contre, même si je préférais un petit chèque. Et bien sûr, quand je parle d'un chèque, c'est les 13 millions d'euros ou avoir un petit peu plus. Et peut-être de recruter un autre milieu de terrain si on en a besoin, mais pour moi, on n'en aura pas trop trop besoin. Au niveau du poste arrière gauche, donc je vous dis direct. Cash, le poste arrière gauche, moi j'en ai strictement marre. On a 50 000 offres, on va dire. Pas des offres, mais des pistes. On en a 50 000. On a eu Grimaldo, on a Tagliafico, on a eu Malacia, on a eu Doumbia, Merlin. Maintenant on a Abdi de Caen. Donc déjà, Caen, j'en ai marre de recruter là-bas. Donc si vraiment on veut être un club de Ligue 2. Autant rien acheter et acheter des clubs des joueurs de Ligue 2 et descendre en Ligue 2, parce que, honnêtement, c'est bien d'avoir recruté Le Penant, je suis hyper content. Ryu, ça me donne moyennement satisfaction. Donc, s'il vous plaît, voilà, autant recruter Tagliafico. Justement, ça me permet de foncer sur ce dossier-là, parce que selon un média espagnol, Mundo Deportivo, eh ben, on serait ceux qui tiendront en Lyon et le club qui tiendrait encore la corde, donc c'est cool. Honnêtement, recruter tout le temps en Ligue 2, c'est bon. Je veux bien qu'il recrute une pépite de Ligue 2. Mais après, c'est bon, faire un recrutement en Ligue 1 ou ailleurs avec des joueurs voilà, qui ont un gros potentiel. Abdi, il va avoir 29 ans en fin d'année. Je pense quand même qu'il a largement meilleur. Si tu voulais recruter Malacia et que t'es dégoûté et que t'as promis, parce que pour moi, c'est une promesse qu'ils ont dit on va recruter un joueur d'équivalent
ben, au moins équivalent à Malassia, voire plus. C'est pas en allant recruter Doumbia ou Abdi. Faut être sérieux. Donc voilà, j'espère que cette piste ne va pas aboutir. Après, voilà, je le connais pas le joueur, je le dénigre pas. Hein. Mais voilà, t'as promis quelque chose. Tiens-toi-en quand même au fait de recruter un joueur quand même qui a des qualités. Et je veux dire surtout qu'il a un bagage technique et un bagage en Europe en tout cas. Voilà, qui est quand même reconnu et qui a fait pas mal de matchs de Coupe d'Europe. Pour terminer, je parlais du dossier Dubois. Il a un profil voilà, que Textor pourrait nous amener. Voilà. Pour Dubois, il n'y aurait vraiment plus d'offres. Voilà. Il y a eu une offre de Fulham qui voulait un prêt et lui on voulait du cash. On n'en a plus parlé. Il y a eu des offres en Italie au tout début, si vous vous souvenez, de la Fiorentina et de la Lazio. Au final, plus rien. Et maintenant, on l'a sur les bras. Donc, est-ce qu'il faut encore baisser jusqu'à 6 millions pour qu'il parte? Moi, honnêtement, même à 5 millions, autant qu'il parte, de toute façon, il n'a plus sa place. Et ça fera toujours 5 millions en plus pour pouvoir investir sur un arrière-gauche. Parce que là, ça traîne. Et donc, Dubois, s'il te plaît, pars, fais comme tu veux. Ou au pire, on accepte un prêt avec option d'achat. Je sais pas si c'est possible, mais faut qu'il parte. Donc, faudrait que Lyon fasse, je sais pas, moi qui le propose, même à un club pourri. Je suis désolé pour lui, hein, ça doit être un bon gars, mais sur le terrain, voilà, je pense qu'il est largement meilleur que lui. Et j'espère vite qu'il va partir. Et pour terminer cette vidéo, on va parler de Matheus Nascimento. Donc, il n'est pas dans le jeu, donc voilà, je peux pas vous montrer sa photo. C'est un jeune espoir qui est visé par le Real Madrid et plusieurs autres écuries européennes très très huppées. Et il joue à Botafogo. Du coup, vu que maintenant on a John Textor qui possède des parts de Botafogo, il aimerait, de ce que j'ai compris, le prêter à Lyon. Et ça a l'air d'être un gros crack au Brésil. Donc voilà, faut quand même se méfier quand on parle de crack brésilien, parce qu'il y a eu Gabigol à l'Inter, ça a été un flop. Il y a eu d'autres bons joueurs, voilà, des packages un peu floppés, mais quand il est revenu à Lyon, boum, il a explosé. Il y a eu Vinicius, voilà, explosé. Donc si on peut l'avoir, ce serait pour moi en doublure de la Lacazette. Mais après, on a encore Dembélé qui veut rester. Donc s'il vient, il sera peut-être numéro 3 dans la hiérarchie si Dembélé reste. En tout cas, si Textor peut l'amener, moi je ne suis pas contre. S'il vient juste en prêt pour le moment et qu'il donne satisfaction, autant le garder. S'il ne donne pas satisfaction, ben, il repartira à Botafogo. Donc voilà, dites-moi si vous avez des infos sur ce crack. En tout cas, annoncé comme un crack. Si le Real Madrid est dessus, c'est que c'est vraiment pas... C'est pas un peintre à mon avis. Donc voilà, si Textor peut pas magouiller mais l'amener vers Lyon, moi je suis tout content. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop trop longue. Et voilà, j'espère vraiment que, comme j'ai dit, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ça fait toujours très 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 plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!